bienvenue dans ce nouveau numéro dans la découverte du Haut-Katanga. Je suis Denise du Sochoa. Ils ont été témoins des actions concrètes, disons des activités menées par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Il s'exprime. Lorsque nous dirigeons la chose publique, nous avons le devoir de rendre compte à la population. Nous encourageons le gouverneur, c'est son temps. Nous, en tant que serviteurs, nous prions que Dieu l'assiste encore davantage, et lui et le président et tous ceux-là qui sont dirigeants, qu'ils prennent conscience que c'est leur pays. Ce qu'ils voient ailleurs peut se faire ici. Tuna shukuru Mungu kwa kuwa anampatia akili ya kufanya vitu vizuri na pia hali yote tunaona hapa inatufurahisha. Nous avons été beaucoup impressionnés de voir ce qui s'est fait, surtout la modernisation de ces infrastructures. Nous l'encourageons et nous le félicitons pour ce qu'il est en train de faire. Un mot de satisfaction en voyant que manifestement, le Seigneur est à l'œuvre au travers de ceux-là qu'il a choisis du milieu de nous pour prendre soin de la cité, prendre soin de la communauté. Nous le félicitons beaucoup. Nous implorons que la grâce de l'Éternel soit sur lui. Avec ça, parce que trop parler sans les œuvres, même la Bible nous dit que la foi sans œuvres, c'est une foi morte. Et l'initiative de l'agriculture m'a fait voir que si nous continuons ainsi dans cette province, d'ici quelques années, nous allons vraiment décoller. Inaugurer le nouveau départ avec lui et moi dans le cadre de la collaboration entre deux institutions de la province. Le Haut-Katanga, c'est un morceau très important sur l'échiquier national et même international. Nous devons nous souder les coudes. Les deux institutions, Assemblée provinciale et gouvernorat, et exécutif provincial, pour que les choses aillent pour le mieux. And if one brother does something good, we need to commend them. Si un frère fait quelque chose de bien, il faut le féliciter. C'est ce que vous avez fait, monsieur le vice-gouverneur et monsieur le gouverneur. C'est excellent. C'est ce qu'on appelle le développement pour nos populations. Donc nous vous félicitons et nous voulons apprendre de vous sur cette route en béton pour que nous puissions dupliquer cette action dans notre province. Thank you very much. Les soignants de cet hôpital de Lubumbashi en kit de protection individuelle contre le Covid-19. Nous avons parlé de la possibilité de la banque d'accompagner la province, les différents entrepreneurs de la province et les différentes entreprises de la place, parce que Equity BCDC aujourd'hui peut financer individuellement une entreprise à hauteur de 40 millions. Et avec l'intervention du groupe, nous pouvons financer le projet individuel jusqu'à 350 millions. Donc ça, on a voulu lui faire savoir cette capacité que la banque dispose avec un leadership que nous avons mis en place. S'agissant de du financement ou de l'accompagnement des agriculteurs de la province, surtout pour ce qui concerne cette denrée hein, qui est recherchée, le maïs, Nous sommes engagés, nous, en tant qu'Equity BCDC, à accompagner ces projets agricoles et accompagner les différents agriculteurs de la province. So, Lubumbashi being the big... Lubumbashi étant la ville économique de la RDC, so my visit... ma visite, c'est une visite de prospection de ce milieu. Et j'ai discuté avec Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, sur comment nous pouvons coopérer dans le domaine agricole, le développement des ressources humaines, et aussi comment envoyer les étudiants congolais en Inde pour leur formation. Nous avons visé le secteur du tourisme et autres secteurs dans la mesure du possible. Nous sommes venus à Lubumbashi en guise
de signer un contrat avec l'autorité provinciale par rapport à la collecte de la redevance. Il a été disponible et nous venons de constituer une équipe qui va passer en revue les projets de contrat que nous lui avons proposés. Et nous pensons bien que le lundi, nous viendrons maintenant pour approuver le projet de contrat et le signer ensemble. Excellences, Monsieur le Gouverneur, en mon nom propre et au nom de tout le personnel médical de l'hôpital Jekamine, nous vous disons sincèrement merci pour ces donations si importantes en produits pharmaceutiques essentiels et surtout pour ces donations en couveuses. D'ailleurs, le don tombe à pic puisque nous avons des jumelles prématurées âgées de 6 jours que nous sommes en train d'élever à l'aide d'une chaufferette seulement. Je crois que ces deux jumelles seront les premières bénéficiaires de cette importante donation. Nous avons échangé sur l'état de la route. Nous avons aussi échangé sur la maximisation des recettes du FONER. Comment mobiliser et encadrer les revenus du FONER. Le FONER est là justement pour financer les projets qui sont élaborés entre l'exécutif provincial et les agences routières. Jusque-là, nous sommes en train d'élaborer le PR, le programme d'entretien routier 2021. Et le gouverneur va s'impliquer lui-même à travailler avec les agences pour connaître les routes que le FONER, en tant que fonds d'entretien routier, va financer. Nous sommes venus ici pour dire merci au gouverneur pour tous les efforts qu'il fait afin de promouvoir les affaires entre les deux communautés d'affaires. Nous sommes venus l'informer sur le projet de consolidation du climat commercial entre la RDC et la Tanzanie. Les grands échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie passent par le Haut-Katanga. Nous l'avons aussi informé que l'État tanzanien harmonise pour que les avions de Air Tanzanie atterrissent directement à Lubumbashi. Mais aussi un consulat sera ouvert dans le Haut-Katanga d'ici la fin de cette année. Nous avons échangé avec lui sur les efforts que le gouvernement au niveau national et aussi le gouvernement de la province souhaite mener pour améliorer le climat des affaires. Donc, dans ce cadre-là, la Banque mondiale est en train d'appuyer une initiative au niveau de la province du Katanga pour amener le secteur privé et le secteur public ensemble pour échanger, identifier ensemble les difficultés auxquelles font face les entreprises et trouver des solutions que la Banque mondiale essaierait d'appuyer aussi dans leur mise en œuvre. Je suis venu présenter mes civilités au gouverneur de province comme je séjourne à Lubumbashi. Je demande aux frères de nos deux communautés, Kasayenne et Katangaise, de savoir que la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est dans les mains de tout Congolais et pas dans un seul camp. La victoire est pour tous les Congolais. Qu'une victoire sur un cas ou sur un autre taux, une victoire au Congo, Mujim. Merci beaucoup, c'était une prise de contact, une belle prise de contact parce qu'on devait parler du programme aussi du gouvernement et aussi ce programme qui peut se réaliser qu'avec l'apport aussi des opérateurs économiques et surtout dans son volet fiscalité et climat des affaires pour permettre à ce que le président de la République et ainsi que le gouvernement puissent avoir accroître les recettes fiscales et parafiscales au niveau de notre économie et au niveau de la province du Katanga. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur Jacques Aboula Katoué, il a tenu à ce que ce mois de mars 2021 soit marqué par le renouvellement d'un robot qui représente la femme. Comme vous le savez, il est toujours motivé par le sens élevé du genre. Et vous comprendrez qu'avec la thématique de cette année qui est le leadership féminin dans un monde numérique pour le développement de la RDC, ça tombe vraiment à point nommé. Il ferme espoir.
bunga, bei ya chini. Hapa tutapiganisha tena mambo ya kulia, kulia. Danene mbaya na kuponza kwa watu manene. Hapa tunakona, hapa tunakona. Wandani, 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 shika ka. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, n'a pas croisé les bras malgré la saison des pluies. Il nous a instruit de pousser même pendant la saison des pluies pour que nous puissions être vraiment dans les délais et que nous avons promis à la population. Et là, nous sommes sur Kamagnola et vous avez vu comment les travaux sont en train d'évoluer. Et là, ils sont déjà au niveau des rouées, Kamagnola point rouée. Et vous avez vu les lampadaires qui sont en train d'être placés, vous avez vu les piétonniers qui sont en train d'être placés au milieu, et il y a aussi des faux palmiers pour embellir l'axe. Et je pense que d'ici là, les travaux vont terminer et nous allons basculer sur l'avenue du Kassi et l'avenue Sendé qui commence incessamment. Ce qui est bien, c'est que on a pita ma dos d'année à Mingi, mais à part le chauffeur, va t'en faire pita sans problème. Merci beaucoup pour Kaboula. Merci beaucoup, Papa Wandani. Je remercie en tout cas Mukuba Kiabula Sana. Avec tout ce qu'elle est en train de faire, en tout cas, c'est quelqu'un. Mambo Balabala, en tout cas, toi, Tché Kiabula. Actuellement, ce que nous sommes en train de faire ici, nous posons la deuxième couche des enrobés. Ce tronçon ici a reçu l'enrobé, la première couche la semaine passée. Cette semaine, nous finalisons complètement avec les travaux d'enrobage. Ce qui reste à faire ici, c'est la pose des séparateurs, des lampadaires solaires. Nous avons déjà fini avec les travaux d'assainissement. Et il y en a qui continuent vers les ponts à Viundu. Il y a encore des travaux d'assainissement. Mais pour ce qui concerne cette partie, cette fonction, on a déjà fini complètement les travaux d'assainissement. Yaboye, nan tomonate, nakusema nikutaka. Yabula wandani mwenzi. Chitumanji kumonato, chakumbuge moto. Wandani. En tout cas, ngai na boy kozonga mboka. Na kozonga sous village te modelo Lubumbashi. Poto ekosa. Paradis inashuka mu Lubumbashi. Ibi ni bya sasa. Miotoka yoku mu sécurité, ba mikulu, ba miotoka bekutu oké. Kiabuliste bana mupitaka ku manguo, ni hapana ku mapacho. Le kiabuliste. Ulaya. Jacques Kaboula, le gouverneur du Haut-Katanga. Quand nous regardons les avenues du centre-ville, elles brillent. Quand nous voyons les gouverneurs, ils doivent transformer la ville. Les choses anciennes doivent passer. Et que nous voyons des choses nouvelles. Ce que nous voyons dans cette ville, c'est bien tout le monde à la France. Ah, balabala yuko bien sana. Tunafelicite gouverneur yetu ya mambo yote. Mungu amsaidie gouverneur en tout cas, tunafelicite en tout cas na force yuko makazi unafanya tu unaona na mencho. Kazi kunaonekana ku mwanzo bantu tuanza sema shiboti. Oh, weko na kawa bera fa bintu kani parce que ma potopoto kwa kapa mais ou sinon ivi vraiment bino nekana ke les cassis, il t'a bien. Tu n'es pas dans le monde, tu n'es pas dans le parce que, au moins, tu m'as cassé à tout. Tu as un séparateur, il vit. Tu as un séparateur, oui. Maintenant, pas ça, montre tu as vu les cassis, on a pas un séparateur. C'est très bon. En tout cas, mais je dis merci. Merci beaucoup. Moi, je vois que je suis là. Je vois mon vombisana, même quand on faisait des activités à Kujisha, ma vie, tu verras sur la vie, Kassan. Mais ça, ça passe, ça va t'engager au balabala. Verneur Jean Kaboula, 4 heures, tu t'engager. Tu n'as piqué avec ça, tu n'as choukourou. Quoi, il te faut acheter un vumbi d'avoir au kilo. Eh oui,
Et comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. À la découverte du Haut-Katanga, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique qui travaille dans l'ombre. Bombastique, Nagui Lengo, Emmanuel Ipung, ainsi que toute l'équipe de communication du gouverneur, Jacques Aboula Katoué. Mandalama, Jacques Aboula Katoué ne veut pas que son peuple soit téléspectateur, mais soit acteur pour le développement du Haut-Katanga, aux côtés de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Vous le savez, nous sommes pendant la période de la COVID-19. Pour se protéger et protéger les autres, portez le masque.